Bonjour, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté ma proposition d'interview, ma demande d'interview. C'est la deuxième interview que nous pouvons faire pour ma chaîne, pour ma petite chaîne de YouTube. Et je suis très enchanté du fait qu'une personnalité comme vous ait accepté cette proposition parce que je veux tout simplement promouvoir les grandes valeurs à travers ma petite chaîne de YouTube. C'est une démarche à laquelle je tiens de toute mon âme. Et comme je vous le disais, il y a quelques semaines, vous êtes un grand maître spirituel pour moi et je dois avouer que j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses jusqu'au présent grâce à vous et grâce à mes rencontres et à mes correspondances avec vous. Donc, le sujet d'aujourd'hui sera lié premièrement à la personnalité spirituelle d'Olivier Clément. Il est considéré le plus grand théologien orthodoxe de l'Occident au XXe siècle. Et même en Roumanie, il a été traduit, il a été fortement apprécié par notre théologien le plus grand qui s'appelait Dumitru Stăniloae. Et voilà, d'un autre côté, Olivier Clément a représenté, à mon avis, le carrefour idéal entre l'Orient et l'Occident. Et je me rappelle d'une affirmation qui faisait faite par le pape Jean-Paul II à l'égard d'Olivier Clément. Olivier Clément est le genre de théologien orthodoxe qui a réussi à garder sans problème la foi droite parce qu'il a été très lié à tout ce qu'a signifié la foi droite, c'est-à-dire la loyauté à l'égard de Dieu. Et oui, tous ces chefs d'œuvre qui ont été traduits en roman, mais pas seulement en roman, en anglais aussi, en italien, si je ne me trompe pas, parce que j'ai réussi à lire son ouvrage dédié à l'histoire de l'orthodoxie en italien il y a quelques années. Donc, Olivier Clément représente un point ou un essai, mieux dit, de réconciliation entre les deux églises apostoliques, l'église orthodoxe et l'église catholique romaine, parce qu'il a été très ancré dans la réalité œcuménique aussi. Et c'est pourquoi j'aurais l'audace de faire cette affirmation. Bien sûr, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, avec mes affirmations, ça on verra plus tard, mais je vous serais très gré si vous pouviez nous faire savoir quand et comment avez-vous rencontré Olivier Clément et qu'est-ce qu'il a signifié pour votre développement spirituel et aussi intellectuel, surtout théologique, du point de vue théologique et philosophique. Alors, Olivier Clément est un ami de notre famille et en particulier de ma mère de longue date. Et quelque part, j'ai toujours vécu avec lui toute ma jeunesse et ensuite, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir continuer à son enseignement puisque je suis à la chaire de théologie morale de Saint-Serge qu'il a occupée pendant des années. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Olivier Clément comme professeur au lycée Louis-le-Grand pendant 3 ans. Et ça a été d'abord un professeur exceptionnel par la qualité de son verbe et la qualité de ce qu'il nous offrait. À nous qui étions des jeunes gens de 14, 15, 16, 17 ans, il nous subjuguait par la beauté de sa parole et par la profondeur de sa pensée. Et donc, c'est ça qui m'a frappé chez Olivier Clément, c'est l'attitude extraordinaire qu'était la sienne. À savoir que quand il parlait de l'orthodoxie du Christ, il le faisait totalement avec toute sa profondeur. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous avez des êtres qui vous font passer à un autre niveau par leur qualité intérieure. Et on sent tout d'un coup que quelque chose se passe. Même si on n'est pas croyant, on est impressionné par cette attitude intérieure. Et donc, j'ai beaucoup aimé Olivier pour cette qualité et la manière dont il nous permettait d'exister en profondeur. Je crois que c'est ça que je retiens
vous voyez, du contact que j'ai eu avec lui, c'était un maître, un père, qui vous poussait dans la plus grande profondeur de vous-même. Et la vérité, c'est que mes rapports à Olivier Clément n'étaient pas intellectuels ou théologiques, ils étaient surtout existentiels. C'est ça que je retiens de sa part. Je pense que si je dois retenir un grand enseignement d'Olivier Clément, cet enseignement est lié à Berdiaïev et au sens de la liberté et au sens de la personne. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que voulait dire la personne, jusqu'au moment où dans « Esprit et liberté » de Berdiaïev, j'ai lu cette parole extraordinaire de la part de Berdiaïev, disant que la personne est le fond de toute chose et la matière n'est jamais qu'une symbolisation de la personne. Là, nous sommes dans l'extraordinaire de la personne qui nous fait comprendre que tout provient de ce qu'on pourrait appeler une subjectivité fondamentale. Nous, occidentaux, nous pensons que la réalité se trouve dans la matière, que la matière se développe et donne naissance à la nature, puis à l'humanité avec la culture et l'histoire, mais lesquels sont des sous-produits de la matière. Et ce qui caractérise Berdiaïev, c'est un retournement total de cette vision des choses, à savoir que la subjectivité humaine n'est pas un sous-produit de la matière, mais c'est bien plutôt la matière qui est une symbolisation de la personne. Ça change totalement le matérialisme athée qui explose à cette occasion. Il y a un deuxième élément qui m'a permis de comprendre la profondeur de la personne, c'est la signification de l'englobant chez un penseur comme Karl Jaspers. Jaspers explique que la réalité se trouve dans la conscience et il parvient à cette conclusion à travers un raisonnement qui simplement décrit ce qui se passe. Il y a dans la réalité quatre éléments. Le premier élément, c'est la matière. Le deuxième élément, c'est nous par rapport à la matière. Le troisième élément, c'est la conscience de nous et de la matière. Et le quatrième élément, c'est la conscience de cette conscience. La conscience absolue embrasse tout. Et elle est la réalité. Cela va à l'opposé du marxisme qui disait que la conscience est le reflet de la réalité économique et des rapports matériaux et matériels et sociaux. Cela met la conscience au cœur de toute chose et cela permet de confirmer ce qui se trouve chez Berdiaïev, à savoir l'unité de la personne au centre de tout. Et le troisième élément, c'est le Christ qui fait exister la personne absolue dans la mesure où le Christ nous invite à devenir la personne, devenir la conscience absolue, en découvrant cette vie absolue en nous et en comprenant que devenir la vie absolue et être Christ, c'est la même chose. Le Christ est fils du Père, il est la vie absolue faite vie et il nous emmène par là même dans la réalisation de la personne. Là, nous avons affaire à des éléments extraordinaires pour comprendre la pensée d'Olivier Clément. Il faut bien apercevoir que
intellectuellement, il apparaît avec les ténors de son époque, à savoir Sartre, Camus, l'existentialisme, lesquels se posent la question de savoir comment penser le monde après le totalitarisme, qu'il soit nazi ou communiste. Et tous sont parvenus à la conclusion que pour éviter le piège de la totalité qui embrasse tout, il fallait passer par la personne. Il est évident qu'il y a un principe qui englobe tout. Mais ce principe qui englobe tout n'est pas matériel, mais personnel. Si nous comprenons cela, nous pouvons éviter le totalitarisme en politique et dans la culture sous la forme d'une totalité impersonnelle qui entend tout embrasser. Et je crois que c'est là que Olivier Clément a fondé une pensée extrêmement profonde et originale, consistant à dire que le christianisme bien vécu à partir de la personne du Christ permettait à l'homme de devenir une personne et d'éviter d'être l'esclave d'une totalité impersonnelle. Alors, son originalité, c'est que par rapport à Sartre qui avait senti la nécessité de la personne, Camus qui avait développé une expérience esthétique de la personne, Olivier Clément, lui, va dans la personne, pas simplement avec l'engagement existentiel ou bien esthétique, mais avec la profondeur du Christ qui se trouve au cœur de chacun. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est ce sens extraordinaire de la personne qui d'ailleurs a frappé les interlocuteurs. C'est-à-dire que lorsque on rencontrait Olivier Clément, on sentait vraiment que l'on existait en tant que personne parce qu'il vous regardait, il vous écoutait et il vous permettait d'exister en tant que personne. Donc voilà, vous voyez ce qui m'a frappé chez Olivier Clément, un verbe extraordinaire, une générosité intellectuelle hors du commun à l'égard des jeunes, mais aussi une profondeur de pensée inspirée par Berdiaïev qui permettait d'aller au centre de la personne. Et vous voyez, lorsque Solzhenitsyn est apparu, bien, Olivier Clément a trouvé dans Solzhenitsyn un écho de ce qu'il avait à l'intérieur de lui-même pour essayer de penser le drame du communisme. Le drame du communisme, c'est d'avoir été incapable de faire vivre la personne tout en ayant au départ un projet social qui avait pour but de l'émanciper. Mais pour vraiment transformer la société et aller dans le social, il faut aller dans la personne. Et c'est vrai que seule l'expérience du Christ, la rencontre avec le Christ, nous permet d'aller dans cette réalité. Oui, c'est une réponse très profonde. Et en vous écoutant, je me rends compte du fait qu'Olivier Clément pourrait être considéré dans une certaine mesure, dans une mesure totale, pourquoi pas, en représentant l'idéal de la théologie de la personne. Parce qu'il a réussi à développer une vraie théologie de la personne au XXe siècle. Et c'était le deuxième essai fondamental dans la théologie orthodoxe après l'essai dans le grand saint-père de l'Église, c'est-à-dire Maxime le Confesseur, parce que lui aussi, il peut être considéré un vrai théologien de l'espoir, de la personne, excusez-moi. Et oui, la manière dont Olivier Clément a traité sur la personne humaine, dont la manière dont il a expliqué la manière dans laquelle la personne humaine pourrait s'unir avec Dieu, parce que c'est le thème central de la théologie
d'Olivier Clément et en général de la théologie orthodoxe, c'est-à-dire de monter l'échelle, les trois de l'échelle pour bien arriver à la communion avec Dieu. Et Olivier Clément a réussi sans doute dans ses démarches. Mais d'un autre côté, j'aimerais dire, c'est mon opinion, bien sûr, c'est seulement une opinion personnelle, parce que moi aussi, j'étudie la théologie orthodoxe, pas en tant qu'étudiant ou que doctorant, mais j'aimerais un bon jour devenir doctorant de la faculté de théologie orthodoxe, parce que je suis très lié aux valeurs de l'Église. Mais j'étudie avec beaucoup d'intérêt, avec une grande passion, tout ce que signifie la théologie chrétienne, surtout la théologie orthodoxe et la théologie catholique romaine. En prenant en compte tout ce que j'ai réussi à apprendre jusqu'à maintenant de la théologie orthodoxe, j'aimerais dire que Olivier Clément représente le visage théologique de l'espoir. Donc, il a réussi à développer une théologie de l'espoir et, d'un autre côté, je dirais de l'enfance. Pourquoi dis-je ça? Parce qu'il a réussi à nous faire comprendre que le royaume de Dieu signifie en fait le royaume de la joie. Et la joie est spécifique aux enfants en général. Les enfants, par leur innocence, peuvent beaucoup mieux comprendre la simplicité, une simplicité que nous avons oubliée parce que nous sommes très liés aux valeurs quotidiennes, nous sommes comblés par les différentes démarches que nous devons accomplir, par les différentes tâches sociales, professionnelles, etc. Mais nous oublions de vraies valeurs. Et les vraies valeurs sont liées à ce que j'aimerais dire. Voilà le royaume de la joie. Donc la joie, parce que Dieu nous a créés par amour, Dieu nous a créés par joie, il a donné de la joie à la terre, au monde où nous vivons actuellement. Et Olivier Clément a bien compris tout cela. En général, la théologie chrétienne du XXe siècle a été un peu pessimiste en ce qui concernait le rapport en Dieu, parce qu'en général, les grands théologiens russes, mais d'un autre côté, les théologiens protestants, les théologiens catholiques, exprimer une opinion après laquelle, en général, l'homme est seulement un pécheur et Dieu, seulement par son pitié, peut donner la rédemption à l'homme. Autrement, il n'aurait aucune chance. Mais Olivier Clément a réussi à donner un peu de vie à la théologie un peu pessimiste, un peu triste du XXe siècle. Peut-être grâce à ses rencontres avec les théologiens russes, parce que, comme vous le savez, la France du XXe siècle a été l'hébergement idéal, le berceau idéal pour beaucoup d'émigrants russes, pour beaucoup de théologiens russes. Voilà le cas de Vladimir Lossky ou le cas de, je ne sais pas, Michel Bulgakov, et il y aurait beaucoup d'autres exemples auxquels je pourrais faire référence. Donc, je reviens à mon idée principale. Olivier Clément, en tant que visage théologique de l'espoir, s'il vous plaît de me dire quel fut le rôle joué par l'espoir, par ce concept qui pourrait être appelé espoir dans la théologie et dans les approches théologiques d'Olivier Clément. Alors, je ne sais pas si c'est le mot espoir est bon, je ne sais pas si le mot espérance serait meilleur, vous voyez. C'est-à-dire, l'espoir est humain, l'espérance est métaphysique. Je pense que Olivier Clément a parlé de l'espérance au sens où il n'a pas arrêté de lutter intellectuellement contre les enfermements de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, qui est métaphysique, veut dire que la vie n'est pas refermée sur elle-même, qu'il existe une issue, une possibilité d'aller dans la liberté, contrairement aux dispositifs matérialistes et athées qui ne nous donnent aucun espoir. C'est quelque chose qu'il n'a pas arrêté de critiquer. C'est ce qu'on peut appeler le réductionnisme. Le réductionnisme repose sur l'attitude intellectuelle qui consiste à réduire l'homme à la matière, réduire l'homme à la nature, réduire l'homme à la culture. Pour faire triompher la raison explicative
le réductionnisme explique que l'homme n'est rien qu'un amas de cellules, rien qu'un animal, rien qu'un sous-produit de la société. Il est ce que la matière a fait de lui, ce que la nature a fait de lui, ce que la société a fait de lui. Et dans l'éthique de l'homme, cela se manifeste par un enfermement dans des illusions. Et je crois que Olivier Clément a vu les trois grandes illusions dans lesquelles l'homme essaye de trouver une liberté à l'intérieur d'un espace fermé. Il y a l'illusion érotique, l'illusion politique, et puis il y a l'illusion intellectuelle. Lorsque l'homme essaye de trouver une liberté dans un espace sans liberté, parce que tout a été réduit à la matière, à la nature ou à la société, il ne lui reste que l'éros, le pouvoir politique ou le pouvoir intellectuel. Et je crois que c'est là où Olivier Clément a apporté beaucoup d'espérance. C'est grâce à une critique lumineuse des dispositifs d'enfermement et d'aliénation de l'homme dans un érotisme effréné, une violence politique enfiévrée, ou bien un intellectualisme surchauffé, que celui-ci a donné de l'espérance. C'est-à-dire qu'il permettait à l'intelligence de respirer. Avoir de l'espérance, c'est vivre d'une manière ouverte en sachant que l'avenir est possible. Vivre d'une manière ouverte en sachant que l'avenir est possible ne peut exister que si on fait sauter les verrous, les limites, des dispositifs intellectuels et moraux qui enferment l'homme. Et je crois que c'est ça qui me paraît donner de l'espérance. L'éros n'est pas la seule possibilité pour l'homme, le pouvoir politique non plus, le pouvoir intellectuel et scientifique non plus. Donc, l'espérance, c'est le contraire de l'orgueil qui nous emmène dans la désespérance et le désespoir. Et je crois que là, Olivier Clément a joué le rôle d'un grand maître, d'un grand libérateur. En particulier pour les jeunes, il y a eu un moment où l'Occident découvrait la libération sexuelle, le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. Et Olivier Clément essayait de remettre les choses en place pour que l'éros devienne de l'amour, que la politique devienne de la responsabilité et que la science devienne de l'intelligence. Et là, il a fait un véritable travail merveilleux de théologien et de penseur, à savoir garder le germe vivant qui se trouve au fond de l'éros, au fond du politique, au fond de la science, mais pour le faire grandir dans l'amour, dans la responsabilité et dans l'intelligence. C'est là où il y a eu un travail remarquable de sa part. Et je pense beaucoup d'audience dans un monde qui était fasciné, capturé, emmené en captivité par les discours dominants. Et on le voit aujourd'hui, le monde ne s'en sort pas dans la libération sexuelle qui ne libère rien du tout, dans des aventures politiques qui se terminent tragiquement, et d'autre part, dans une intelligence technoscientifique du monde qui est totalement glaciale. Donc,
dans un monde qui est un monde bloqué, perdu, Olivier Clément a ouvert des portes, libéré les esprits et donné du sens au fait de libérer les possibilités créatrices qui se trouvent à l'intérieur des individus. Et ça, c'était aussi extraordinaire de voir une Église parler de liberté et de création, et de comprendre que l'essentiel, c'était la liberté et la création. On sortait de la théologie culpabilisante et totalement moralisatrice qui fait de l'homme un pécheur qui doit demander pardon pour être sauvé par Dieu. Et je crois qu'il y a eu une perversion, je sais pas, de la part de l'ignorance qui nous a amené à la facilité. Le pessimisme est toujours une vision primaire et paresseuse. Quand le pessimisme vient de quoi ? Il vient de l'observation de la société et des mœurs humaines, de l'effroi que l'on ressent parfois devant la société et les mœurs humaines, et de la volonté de résoudre cette errance, cette perdition par une critique radicale. Et donc, que veut dire la théologie moralisatrice qui parle de l'homme pécheur qui doit se convertir à Dieu pour penser? Bien, elle signifie le désarroi d'un esprit qui, en fait, est effrayé par le monde dans lequel il vit et qui ne voit de solution que dans une réponse extrêmement moralisatrice. Eh bien, Olivier Clément n'a jamais tenu ce type de discours. Il parlait du potentiel des sociétés et des hommes, de la liberté créatrice, et de la nécessité de libérer ce potentiel créateur. Le tout avec un sens très profond de la beauté et de la liberté. Et ça, c'est nouveau, vous voyez. Alors qu'il est professeur de théologie morale, il ne venait pas pour nous faire la morale, mais il nous venait nous parler de la liberté, de la création, de la beauté, et de la confiance absolue que Dieu pouvait avoir dans l'homme. Là, nous avons de l'espérance, mais de l'espérance pratique. Vous comprenez ? Ce n'est pas donner des espoirs, mais c'est autre chose. C'était faire vivre une respiration. Et ça, l'espérance. On vit dans un monde ouvert et on ne regarde pas ce qui va mal. On regarde ce qui est libre, créateur et bien évidemment heureux, profondément heureux. Oui, c'est une distinction très intéressante que vous venez de faire. C'est une distinction que j'ai tellement plu. Et peut-être nous devrions réfléchir un peu plus sur la différence que vous avez réussi à faire seulement en quelques minutes, c'est-à-dire la différence entre l'espoir et l'espérance, donc la dimension métaphysique de l'espérance et la manière dont j'ai formulé la question montre dans le plus profond mot que je suis un représentant d'une génération très liée au quotidien et pas à l'élément métaphysique, même si je fais de tout mon possible pour que je sois lié de plus en plus aux éléments métaphysiques. Et d'un autre côté, j'essaie, dans la mesure où je peux, créer l'équilibre entre une balance entre le monde quotidien, c'est-à-dire le monde sensible, et le monde métaphysique, parce que l'objectif d'un être spirituel est celui d'apporter le spirituel dans le concret. J'aime croire ça et je suis convaincu de ce principe parce que nous vivons dans ce monde et nous devons faire quelque chose pour ce monde. Et si nous avons la capacité, le pouvoir de faire revivre le spirituel dans le concret, alors nous pourrons contribuer à un meilleur concret pour notre vie et pour le monde qui nous entoure. En vous écoutant, parce que je vous écoute avec beaucoup d'attention, et je serais très heureux si plusieurs de personnes
pourrait écouter notre dialogue, pourrait écouter notre interview, notre débat, si vous le voulez bien, parce que toutes vos explications sont en fait des grandes leçons de vie dont nous aurions besoin, surtout prenant en compte la société dans laquelle nous vivons, les dangers de la société, les dangers du point de vue moral et d'un autre côté la superficialité spirituelle mais aussi intellectuelle, parce que nous vivons dans cette crise des idées. Et votre manière d'expliquer, de mettre en évidence les idées, les concepts clés que nous avons oublié tout au long du temps. Et d'un autre côté, la manière dont vous remettez en évidence la personnalité oubliée d'Olivier Clément. Oubliée, je dis oubliée parce qu'en général, les moyens académiques aujourd'hui sont orientés vers autre type de recherche, pas nécessairement vers les vrais représentants de la profondeur, comme vous l'avez bien expliqué il y a quelques minutes. Nous avons retenu cette idée centrale, cette idée essentielle, c'est-à-dire la différence qu'Olivier Clément a réussi à faire entre l'espoir et l'espérance. Et nous devons savoir le fait que l'espérance est caractérisée par sa dimension métaphysique, à la différence de l'espoir. Bon. Maintenant, il serait très intéressant que nous sachions dans quelle mesure Olivier Clément a-t-il réussi à faire revivre l'orthodoxie en Occident et particulièrement en France, c'est-à-dire en son pays d'origine. Je vous pose cette question parce que jusqu'à la venue des grands théologiens russes en Occident, en général, les Occidentaux n'avaient pas une grande idée en ce qui concernait la théologie orthodoxe, la spiritualité orthodoxe. Le début du XXe siècle pour les Occidentaux a été un peu... a été plein de pièges du point de vue spirituel, mais aussi du point de vue moral. Les grands courants culturels qui étaient présents au sein de la société française en général étaient très séduisants, mais en dehors de l'horizon de la spiritualité. Et avec la venue de quelques théologiens russes, surtout Vladimir Lossky, les choses ont changé un peu en France et en général en Occident. Mais maintenant, nous parlons de la France parce que Olivier Clément est un représentant de la culture française et de la pensée française. Vous aussi, vous êtes un représentant contemporain de la philosophie française. J'aimerais mettre l'accent sur la France. Donc, la vraie connaissance des Occidentaux, des Français du XXe siècle, du début du XXe siècle, était très, très limitée. Je crois avoir trouvé la parole appropriée. Mais malgré ça, voilà, Olivier Clément, lui aussi étant français, étant occidental, étant un peu peut-être éloigné des valeurs de la spiritualité en général, parce que de ce que je sais, il a été athée avant de se convertir à l'orthodoxie. Lui aussi, il a eu la chance, l'opportunité de connaître les grands théologiens orthodoxes, et puis il a fait un voyage en Roumanie, un voyage sur lequel nous parlerons un peu plus tard. Et il a embrassé l'orthodoxie. Donc l'orthodoxie est devenue pour Olivier Clément une vraie manière de vivre. Et c'est pourquoi j'aimerais savoir, étant donné tous les concepts clés qu'il a analysés, les concepts clés dont il a parlé, les concepts clés de la théologie orthodoxe qu'il a présenté devant les théologiens catholiques ou protestants en France, j'aimerais dire dans quelle mesure a réussi Olivier Clément à faire vivre l'orthodoxie en France, excusez-moi, quelle a été la dimension qu'Olivier Clément a réussi à donner à la vraie théologie orthodoxe en France. Je répète, j'aimerais faire la différence entre la théologie orthodoxe et la culture orthodoxe, parce que d'un autre côté, dans les dernières années, s'est développée de plus en plus une soi-disant culture orthodoxe, mais j'aimerais plutôt discuter d'une théologie orthodoxe et d'une spiritualité orthodoxe. Et je veux croire qu'Olivier Clément a réussi à donner ses dimensions spirituelles devant les Occidentaux qui ne connaissaient pas très bien la théologie orthodoxe et les valeurs de la spiritualité orthodoxe. Donc, quelle serait votre réponse à la question que je viens de vous poser? Alors, pour comprendre
le développement de la théologie orthodoxe en France, il faut voir plusieurs choses. C'est-à-dire, vous avez d'abord la création de l'Institut Saint-Serge par le père Bulgakov et le fait que les Russes qui ont quitté l'Union soviétique veulent vivre l'orthodoxie, continuer à l'étudier et vont produire un phénomène extraordinaire au niveau théologique qui est l'école de Paris. Donc ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas le seul. Il y a eu d'autre part des personnalités comme le père Evgraf Kovalevski qui, lui, a voulu vivre l'orthodoxie en France à partir de la tradition française et qui a commencé à relire la vie chrétienne, la vie christique, à la lumière d'une part de la théologie orthodoxe russe, mais à la lumière également d'un désir d'une orthodoxie vivante. Et je crois que c'est là que s'inscrit la démarche d'Olivier Clément. Celui-ci vient de l'athéisme. L'athéisme est un enfermement qui débouche sur le désespoir de l'homme en ne lui laissant aucune issue. Il découvre dans l'orthodoxie la profondeur de la personne et il va tout faire pour faire vivre une orthodoxie vivante qui intègre la culture russe, qui intègre la pensée française, la culture française, et qui va dans le sens d'un approfondissement de la personne. Au-delà des oppositions et des enfermements dans lesquels on se trouve, ça permet d'expliquer sa dimension écuménique. Qu'est-ce qui intéresse tout le temps Olivier Clément? La lutte contre les enfermements, la lutte contre les exclusives. Il n'est pas du tout pour un syncrétisme qui serait facile, mais il se rend compte des souffrances, des violences, de l'obscurité produite par les anathèmes et les exclusions qu'il y a les uns à l'égard des autres. Et donc, tout en étant orthodoxe, il ne veut pas rejeter le catholicisme ou le protestantisme, ou bien encore l'islam, ou bien encore le judaïsme. Il est en dialogue pour éviter que l'enfermement ne s'installe partout. Et pour rappeler que la théologie vivante se trouve toujours dans le dialogue des hommes qui se regardent, se rencontrent et se connaissent. Et donc, c'est ça qui, à mon avis, permet de comprendre la position d'Olivier Clément, qui est une position très engagée. C'est quelqu'un qui n'a cessé d'écrire, mais il n'a cessé de rencontrer des personnes. Et à travers la rencontre des personnes, à lever des exclusives. En particulier, vous voyez, si on a un dialogue avec un rabbin et si tout d'un coup on peut lever des rejets, des anathèmes qu'il y a les uns à l'égard des autres, eh bien tout d'un coup, on rentre véritablement dans une théologie vivante. À savoir le fond théologique de l'humanité tel que chacun, à partir de la tradition qui est la sienne, essaye de développer, d'en connaître les visages. Par là même, ça permet de donner à la théologie orthodoxe une singularité venant de sa capacité d'embrasser les choses comme le Christ embrasse toutes choses. Et je crois que c'est très important car cela permet de comprendre le profond humanisme
d'Olivier Clément, et à travers cette capacité de dialoguer, d'embrasser les choses et de dépasser les clivages et les oppositions qui commencent par être des oppositions intellectuelles et spirituelles avant de devenir des déchirements politiques. Donc, en ce sens, la théologie d'Olivier Clément est tout à fait singulière dans la mesure où, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de présenter l'Église, Olivier Clément est un érudit. Mais quand il s'agit de présenter l'Église, il s'agit également de la faire vivre. Et la faire vivre, c'est vivre avec cette nouveauté métaphysique extraordinaire qu'est le sens de la personne, mais aussi l'application de cette nouveauté qu'est la personne sur le plan de la rencontre, en fait, avec toutes les religions et à travers des relations où les hommes apprennent à se regarder, à s'écouter et à se rencontrer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez expliqué. Mais en vous écoutant, je réussis à approfondir de plus en plus les grandes valeurs de la théologie orthodoxe et de me rendre compte quelle serait la manière idéale de vivre. C'est une manière difficile, bien sûr, mais c'est la manière idéale et nous devons accomplir cette tâche parce que c'est une tâche sacrée, j'aimerais dire. Je serais intéressé par un autre aspect qui serait, à mon avis, fortement intéressant pour notre dialogue et peut-être pour ceux qui peuvent écouter notre dialogue d'aujourd'hui, c'est-à-dire les contacts, les liaisons qu'Olivier Clément eut avec les moyens orthodoxes de Roumanie. Il a réussi, je ne me rappelle pas l'année malheureusement, mais je crois que c'était dans les années 60 ou 60, oui, 60, je crois. Il a fait un voyage, a entrepris un voyage en Roumanie et il a fait la connaissance du théologien Dumitru Stăniloae. Et lui aussi, Dumitru Stăniloae, a écrit un article à l'égard de la personnalité d'Olivier Clément en disant que. Qu'il avait été un grand représentant de la vraie foi, de la foi droite en Occident, particulièrement en France. Donc, il est venu, Olivier Clément, avec son épouse, et il a connu Dumitru Stăniloae et puis quelques autres grands confesseurs de Roumanie, parmi lesquels je pourrais faire référence à la personnalité du père qui était un moine orthodoxe, il y a Cléopa. Et Olivier Clément a fait un vrai tour de Roumanie, il a connu les grands monastères de Roumanie et aussi un mouvement spirituel de Roumanie qui était très, très vocal, même s'il y avait la période communiste. Donc, je parle maintenant du mouvement Le Buisson Ardent, dont le représentant central était le père André Scrima, un autre théologien de Roumanie qui a été très apprécié, qui fut très apprécié en France, mais par l'Église catholique aussi. Il a été traduit, ses ouvrages ont été traduits en français, en italien et en anglais aussi. Et Olivier Clément a fait la connaissance du Buisson Ardent. Il a été fortement impressionné par la manière dont le Buisson Ardent s'organisait par le courage à travers lequel s'exprimait le Buisson Ardent, même si devant ce mouvement se trouvait le Parti communiste, au mieux dit le régime communiste, qui était un vrai ennemi de la foi et de la spiritualité, un ennemi déclaré de Dieu. Et puis, après avoir fait son retour en France, Olivier Clément a décidé de rédiger un article sur le Buisson Ardent et en général sur la spiritualité de Roumanie.
Bien sûr, il ne savait pas qu'il pouvait affecter le buisson Adam parce qu'après avoir écrit l'article dont je vous parle maintenant, quelques représentants du buisson Adam ont été arrêtés, emprisonnés dans les différents cachots communistes de Roumanie. En tout cas, il a été totalement impressionné par tout ce qu'il a vu et par tout ce qu'il a remarqué en Roumanie. Et de ce que je me rappelle, Olivier Clément lui-même fit cette affirmation. La Roumanie m'a donné l'espoir d'une vraie foi parce que la Roumanie a gardé avec beaucoup de fidélité l'esprit chrétien. Lui a dit ça après avoir fait le voyage dont je vous avais parlé il y a quelques minutes. C'est pourquoi je ne sais pas si Olivier Clément vous a parlé de ce voyage ou vous avez une certaine connaissance en ce qui concerne le voyage qu'il fit en Roumanie, mais j'étais curieux de me dire quelles sont vos connaissances à l'égard du sujet que je vous propose maintenant, c'est-à-dire le voyage d'Olivier Clément en Roumanie et aussi ses amitiés qu'il a développées avec les théologiens orthodoxes de Roumanie. André Scrima et Dumitru Stăniloae, parce que ce serait un sujet très intéressant à débattre et aussi à connaître. Alors, j'ai l'impression que vous avez vous-même répondu à la question et en décrivant très bien celle-ci. Je me souviens que Olivier Clément avait été très impressionné par la rencontre qu'il a eue avec la Roumanie. Je crois qu'il a été d'abord très très bien reçu. Il a été frappé par la profondeur spirituelle et théologique du père Stăniloae et du père Scrima. La seule chose dont il m'a parlé, c'est vraiment de ce qu'on pourrait appeler une rencontre mystique qu'il a eue avec je ne sais pas qui, un moine, ou peut-être était-ce le père Stăniloae ou le père Scrima. Et il m'avait dit que là, il avait senti ce que pouvait dire, ce que peut être une rencontre spirituelle en profondeur. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'intérêt pour l'Église roumaine, d'autant plus qu'il y a une grande tradition intellectuelle en Roumanie, à la fois dans les arts, dans la culture et dans la littérature, dans la philosophie, mais aussi dans la vie théologique et religieuse. Et j'avais l'impression que en Roumanie, il trouvait une église qui respirait et qui était à la fois profonde et heureuse. J'ai l'impression que c'est ça qui l'a beaucoup impressionné. Comme si l'orthodoxie roumaine était une orthodoxie qui allait bien. Loin des déchirements qu'a pu connaître l'Église russe pour des raisons politiques, il y avait une force et une unité en l'Église roumaine qui avait quelque chose d'apaisant et de réconfortant. Donc, Olivier Clément a toujours gardé à côté de lui le souvenir de la belle église de Roumanie qui offrait un visage extrêmement heureux, pacifié de l'orthodoxie. Voilà, c'est ça, c'est ce que je peux dire et j'ai l'impression que le voyage de Roumanie a été un voyage réussi et heureux. Et Olivier Clément aimait beaucoup parler de relations qu'il avait avec le père Stăniloae ou Scrima, qu'il considérait comme des théologiens de première force et de premier plan. Étant donné toutes vos rencontres que vous avez eues avec Olivier Clément, tous les conseils que vous ayez reçus de sa part, toutes les connaissances de théologie que vous avez approfondies grâce aux rencontres que vous eûtes avec Olivier Clément, si quelqu'un vous demandait quel serait le plus important conseil que vous ayez reçu de sa part, quel serait le conseil
que vous aussi vous donneriez à celui qui aurait besoin de recevoir un tel conseil. Par exemple, je suis encore jeune, je suis un jeune professeur qui voudrait embrasser de plus en plus la spiritualité en tant que manière de vivre. Et bien sûr, étant donné que je suis encore jeune, je dois me rapporter au véritable modèle de vie. Et je crois sincèrement qu'Olivier Clément, comme vous aussi, fut un grand modèle, un véritable modèle de vie. Et je veux embrasser, imiter son modèle de vie pour... bien sûr, pour arriver sur le vœu de ma vie, c'est-à-dire de ma lutte intérieure, parce que nous tous, nous avons ces luttes intérieures afin de devenir de mieux en mieux. Et c'est pourquoi je voudrais vous reformuler la question. Si quelqu'un, par exemple, moi, j'aurais besoin d'un conseil, vous avez, d'un conseil spirituel, bien sûr, vous avez connu très bien la personnalité d'Olivier Clément. Vous avez travaillé ensemble avec lui. Vous avez approfondi l'horizon de l'orthodoxie en général, de la foi, de la spiritualité en général, parce qu'il n'était pas lié seulement à l'orthodoxie ou à une orthodoxie cachée et fermée. Il était en faveur de l'orthodoxie, d'une orthodoxie très ouverte. Et c'est pourquoi j'aime dire Olivier Clément était sans doute un représentant de la dimension hospitalière et métaphysique de l'orthodoxie. Comme disait très bien André Stimat, auquel je viens de faire référence. Donc, j'aimerais recevoir un conseil de la part d'Olivier Clément. Malheureusement, il n'est pas encore en vie parce qu'il est décédé en 2006. Mais vous avez étudié ensemble avec lui. On peut dire, dans certains points de vue, que vous fûtes peut-être un disciple d'Olivier Clément. Et voilà le résultat, la conséquence, tout ce que vous avez rédigé et votre manière de transmettre un message et un discours. Écoutez, les choses seraient très simples si vous voulez. Olivier Clément ne vous aurait jamais donné un conseil abstrait. Il vous aurait simplement posé la question « Comment allez-vous? Où en êtes-vous ?» C'était, ça voulait dire « Parlez-moi de vous !» Et à cette occasion, vous auriez senti venir de l'intérieur la réponse qui convient pour le problème qui est le vôtre. Et c'était ça qui était formidable. C'est que rien ne se faisait sans une attention à la personne, une question, et finalement, la réponse venait de l'intérieur. À travers le dialogue, elle viendrait de vous. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui vous dirait ce qu'il fallait faire, c'est vous qui alliez sentir de l'intérieur ce qu'il faut faire, grâce à lui. Et finalement, on ressortait d'un entretien avec Olivier Clément extrêmement fortifié, extrêmement vivifié. Il nous avait donné, mieux qu'un conseil, il nous avait donné une force. Et après, les conseils judicieux pour bien agir viennent de cette force que l'on sent. C'est-à-dire qu'il était comme les spirituels, très profond, très attentif, qui fait qu'on ne parlait pas de n'importe quoi, on était rassemblés, recentrés, alignés. On devenait fort à son contact et à partir de là, on avait soi-même les réponses pour ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est comme ça que ça voulait dire. C'est-à-dire que donner un conseil, ce n'était pas donner un conseil extérieurement, c'est vous mettre en état de comprendre et de sentir, grâce à la force de l'esprit, le conseil qui va aller être bon pour vous. Et c'est vous qui alliez le trouver. Comprenez? Oui, je comprends très bien. C'est un témoignage époustouflant de votre part. Et je regrette un peu le fait de n'avoir pas eu l'occasion de rencontrer Olivier Clément. Quand il a décédé, j'étais trop jeune. J'étais seulement au début de mes études universitaires. Mais en tout cas, je suis très heureux de l'avoir découvert par les livres que j'ai lus. Et bien sûr... Vous l'avez bien compris, hein? Vous l'avez bien compris et senti.
Oui, parce que j'ai toujours essayé de bien comprendre les grandes valeurs, les plus grandes et les plus profondes valeurs. Et Voilà. Olivier Clément a transmis sans doute les grandes valeurs dans la plus profonde manière. J'aurais seulement deux questions parce que malheureusement, On nous va sommes à finir bientôt. Là, maintenant, on arrive au bout d'une heure, oui. Oui, et je ne voudrais pas vous ennuyer. Il y aura d'autres interviews à l'avenir si vous acceptez. Je voudrais savoir tout simplement, nous avons discuté d'Olivier Clément, de ses rencontres avec la Roumanie aussi, mais vous aussi, vous avez fait plus de voyages, si je ne me trompe pas, en Roumanie. Donc, je voudrais savoir quoi exactement vous a-t-il impressionné le plus en Roumanie et quelle serait la beauté spiritualité de la beauté spirituelle de Roumanie dont vous pourriez en parler. Écoutez, je suis allé en Roumanie parce que je fais partie d'une association qui envoie des experts pour parler à des clubs d'expatriés qui travaillent en entreprise. Donc là, j'ai connu la Roumanie sous cet aspect. Et puis, j'ai fait un voyage avec l'église roumaine, la métropole, pour visiter les églises fresquées de Moldavie. Et ce qui m'a frappé énormément, c'est l'harmonie, la beauté des paysages et des monastères et de la liturgie. Il y avait une unité et un équilibre et une harmonie partout. Et c'est ça que j'ai ressenti exactement comme dans la liturgie roumaine, où les chants sont très doux, où les chants sont merveilleux, très harmonieux. Et donc, les Roumains ont un équilibre entre la nature, les hommes et le ciel. Et j'ai ressenti cette merveilleuse harmonie, en particulier quand vous voyez ces magnifiques fresques sur les murs des églises roumaines. Donc, mon impression a été vraiment une impression d'harmonie. Parfait. Et voilà la dernière question. Comme il nous est connu, vous êtes l'un des plus importants philosophes français contemporains. Vous avez sans doute reçu un grand héritage de la part de ceux qui ont été vos formateurs. Et voilà, vous avez rédigé beaucoup de chefs-d'œuvre, beaucoup d'ouvrages jusqu'à maintenant. Le retour à l'émerveillement serait l'un de ces ouvrages que j'ai bien lu. Et je peux dire que c'est grâce à ma rencontre avec cet ouvrage, j'ai changé un peu mon opinion à l'égard de l'orthodoxie. Je me suis approché de l'orthodoxie pendant les années. Je voudrais savoir quel serait la structure de votre philosophie orthodoxe, parce que sans doute vous avez réussi à créer une vraie philosophie orthodoxe aussi, et j'aimerais savoir quel serait le but de votre philosophie orthodoxe, la structure de votre philosophie orthodoxe, et pas moins le message de votre philosophie orthodoxe, surtout pour les jeunes étudiants qui voudraient devenir des enseignants comme vous aussi vous êtes devenus. Alors écoutez, les choses sont très simples. Je dois à l'Église de m'avoir fait comprendre que la réalité n'est pas ordinaire, mais extraordinaire. Et que penser que les choses sont extraordinaires, c'est ce qui me permet d'avoir des yeux, des oreilles, une sensibilité, un corps. Et donc, je dirais que l'orthodoxie est la réalisation de la pensée métaphysique. On pense parce qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être pensé dans le monde. On pense parfois parce qu'on pense que ce qui mérite d'être pensé manque dans le monde. Et l'orthodoxie nous explique que bien évidemment, la réalité mérite d'être pensée. Bien évidemment, il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que la réalité est extraordinaire et elle est tellement extraordinaire que nous sommes qu'au début de la vie. Rien n'est fini. Et là, si nous voyons le Christ avec l'émerveillement, l'extraordinaire, c'est inouï. Là, vous avez une église orthodoxe merveilleuse, un Christ incroyable, une pensée magnifique, une liberté humaine totale. C'est le plus beau message de l'humanité. Les choses sont tellement extraordinaires
que nous ne sommes pas à la cheville de ce qu'il faudrait pour pouvoir les penser. Nous sommes au tout début. Nous n'allons pas vers la mort, nous allons vers la vie. Et la nouveauté, comme l'Apocalypse qui se termine par la nouveauté, nous allons vers une extraordinaire nouveauté, et c'est ce que signifie la résurrection. Voilà ce que je voulais vous dire, cher ami. Je vous remercie. Oui, vraiment, vous êtes un grand ami de moi, un maître et un ami. Je vous en suis reconnaissant. C'était un bon dialogue, un très bon dialogue, un dialogue vraiment, qui est... À chaque fois, c'est merveilleux grâce à vous. J'ai beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Moi aussi, j'ai eu ce plaisir et j'espère que vous acceptez de participer à une autre session d'interview à l'avenir. Je serai très joyeux. Très bien, quand vous voulez, quand vous voulez. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle fête de Pâques. Oui, moi aussi. Je vous souhaite une belle fête de Pâques. À vous et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Je vous remercie encore une fois. Toutes mes amitiés. Et que Dieu bénisse. À vous aussi. Au revoir.